Noun begin with a vowel, we choose L apostrophe. Banjo, masculin ou féminin? Masculin, we will choose le. Here la is letter B, and here le is letter A. Chanteuse, cette ou ce? No, cette, chanteuse, because chanteuse is féminin singulier. We will use cette. Album. Album, singular noun. And the noun begin with a vowel. Album. So we will choose this one. B. Because we have the noun starting with a vowel and a singular noun. Okay. Lecteur CD. Masculin or féminin? Masculin. Which one we choose for the masculin? Ce. The answer is B. Okay, and after? Élève. Élève, singular noun, begin with a vowel also. So, we will choose cette. The answer is D. Okay. Écris le verbe chanter à l'impératif. Le verbe chanter à l'impératif. Chante. Chantant. Chanter. Le verbe à l'impératif, on le conjugue without subject. And we have just with trois pronoms. Tu, nous and vous. But we don't write it. We write just the verb. Chante, chantant, chanter. Écris le verbe avoir à l'impératif. Ok. Et, ayant, ayez. Le verbe avoir, verbe to have à l'impératif. Verbe to sing à l'impératif. And after what we have, le verbe être à l'impératif, verbe to be à l'impératif, soit, soyons, soyez, verbe to be à l'impératif. Ok. Compare les prix, we have to make une comparaison. Ok, les pommes 30 euros, les bananes 20 euros, les poires 15 euros, les raisins 15 euros. The first sentence we can make. The first one, les pommes sont plus chères que les bananes. Les bananes sont moins chères que les pommes. Ok. Les poires et les raisins. Les poires sont aussi chères que les raisins. Because they have the same price. Les pommes sont plus chères, more expensive, moins chères, less expensive, and aussi chères, the same price. Ok. Here we have complète avec. Complète avec meilleur, 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 meilleur. What's the difference between of them? This one for the masculin singulier. This one for féminin pluriel. This one for féminin singulier. And this one for pluriel masculin. Okay? Ce sont les chanteuses. We have to know if chanteuse is féminin or masculin. Chanteuse, it's féminin. Then we have to know if it's plural or singular. Plural. So we will choose which one? This one. This one, it's for féminin pluriel. Meilleur. Okay? Chocolat. Chocolat avec S à la fin,
pluriel masculin. So we have to choose this one. This one is for pluriel masculin. Meilleur means best. Guitare, guitare, féminin, singulier. Where is féminin singulier? This one. Meilleur means the best also. Okay, and here, masculin, c'est des masculins singuliers. So we will choose this one for masculin singulier. Meilleur. Ok. Le banjo coûte 150 euros et le violon 100 euros. Le banjo est le plus cher. Le plus cher. We choose le plus cher because le banjo is masculin. Complète le avec là où le plus cher. Ok. Le piano coûte 75 euros. Et la guitare coûte 100 euros. La guitare est la moins chère. Because we have la. So we choose la moins chère. Okay. What we have here, complète avec ce, cette, c'est, or c'est. Okay, the first one, ce chanteur masculin singulier. Cette vendeuse féminin singulier. It's begin with a vowel, but it's plural. So we will choose the plural. C'est féminin singulier. Cette billet, c'est pluriel. Hôtel, singular noun and begin with H. So we will use cette. Okay. Client, ce. Vente, pluriel, c'est. And acheteur, set singular noun, begin with a vowel. Okay, to be clear for you. Ce chanteur, cette vendeuse, ses albums, cette caisse, ses billets, cet hôtel, ce client, ses ventes, cet acheteur. Okay. Complète le tableau, we have missing word here. The verb acheter, the noun, masculin noun, acheteur. Ok, the feminine one, acheteuse. Acheter, acheteur, acheteuse, les achats. Chanter, verb to sing. The noun, chanteur. If it's féminin, we will say chanteuse. And for the noun here, les chansons. Les chansons. Okay, here we have vendeur, seller, vendeur. And verb is verb vendre. Okay, let's make it more clear for you. Acheter, acheteur, acheteuse, les achats. Chanter, chanteur, chanteuse, les chansons. Vendre, vendeur, vendeuse, les ventes. Et comme ça, on a fini notre révision. J'attends vos questions. If you have any question, you can send it to me with pleasure. Avec un grand plaisir, je répondrai à toutes vos questions. Merci bien et à la prochaine fois.